And here's a story about being free. Bonjour, le cartable qui pèse des tonnes, la carte de France, ses fleuves et ses affluents dont on ne se souvient plus, la cour d'école, les salles de classe, le car scolaire, ça y est, c'est bel et bien la rentrée. 245 000 élèves ont retrouvé le chemin de l'école en Loire-Atlantique, des effectifs en légère hausse dans les écoles primaires et les collèges, en légère baisse dans les lycées. Pulseo a suivi deux élèves du département en ce jour si particulier, c'était notamment la rentrée d'Emmanuel, elle est en CM2 à Riaillé. On a là 146 élèves et alors la préparation de la rentrée se fait longtemps en amont, c'est-à-dire qu'elle commence dès janvier. Ouais. J'aime bien, je veux retrouver mes copines et puis j'aime bien travailler tout ça. Laissons Emmanuel découvrir ses nouvelles copines et suivons Alban. Alban qui s'apprête à découvrir la vie de collégien. Il entre en effet en 6e à Châteaubriant. Bah, au collège, déjà, on a plusieurs professeurs. On apprend un niveau au-dessus, donc c'est beaucoup plus dur. Les cours sont beaucoup plus grandes, on a plus de livres, il y a plus de devoirs. Et le collège, c'est plus important. Bonjour madame. Bonjour. C'est vrai qu'on met l'accent sur l'accueil des sixièmes, parce qu'on considère quand même que c'est un moment essentiel dans leur vie d'élève. Les parents sont pris en charge par les assistants d'éducation qui les emmènent pour une courte visite dans l'établissement. Une rentrée scolaire, ça se prépare à partir du mois de décembre. De décembre jusqu'à septembre. Les parents d'accord, mais du côté des profs, est-ce qu'on la redoute cette rentrée ? Chez les nouveaux profs, oui. Ouais. C'est normal, puisqu'ils ne savent pas quels parents ils vont rencontrer, quels élèves ils vont rencontrer. Au niveau des enseignants qui sont là depuis un certain temps, pas vraiment. Pas vraiment. On ne va pas dire que c'est la routine, puisque c'est jamais la routine. Mais bon, ils connaissent le lieu, ils connaissent les élèves, ils connaissent les parents. C'est donc parti pour 36 semaines d'école. Emmanuel, en CM2, sera concerné en fin d'année par les évaluations nationales. Et quant à Alban, en 6e, il va découvrir l'histoire des arts, désormais enseignée dans tous les collèges.